Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Fida, je suis l'enseignante de la langue française. طلاب الأعزاء أنا معلمة اللغة الفرنسية اسمي فيدا. Notre leçon pour aujourd'hui c'est la lettre M, le son M. درسنا لليوم هو الحرف M, الصوت M. D'abord, on va apprendre à entendre la lettre M. S'il vous plaît mes élèves, écoutez cette belle chanson. بدنا نتعود أول شيء نسمع منيح حرف الام لو سمحتوا تسمعوا هيدي الغنية الحلوة كتير A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Et maintenant je les connais Toutes les lettres de l'alphabet. Ensuite, on va apprendre à bien prononcer la lettre M, le son M. Répétez avec moi, mes élèves. لو سمحتوا, كرروا معي الكلمات التالية اللي بتحتوي على الحرف M, صوت M. M comme maison. M comme moto. M comme mouton. M comme moulin. Enfin, on va apprendre à bien écrire la lettre M en cursive. Je vous présente maintenant comment on va écrire la lettre M entre les deux lignes. Voilà le point. Du point, je monte. Verticalement, je tourne. Je descends, je touche la ligne. Je monte verticalement, je tourne, je descends verticalement, je touche la ligne, sur la même ligne, sans se lever le doigt, je monte verticalement, je tourne, je descends verticalement comme une canne. Entre les deux petites lignes, c'est la même façon. Voilà le point. Du point, je monte, je tourne, je descends verticalement, je monte, je tourne, je descends verticalement, sur la même ligne, je monte, je tourne, je descends verticalement, comme une canne. Sur ce cahier, vous allez faire cette copie. La lettre M. إذا عندنا دفتر بالبيت نقدر نتدرب نعمل هيدا الدفوار الصغير لنتدرب كيف نقدر نكتب اللتر M بين السطرين. إذا ما عندنا دفتر مثل ما اتفقنا فينا على ورقة فينا كرتوني نحنا نسطرها. مهم نحنا يا شاطرين نتدرب كيف بدنا نكتب اللتر M. Maintenant sur la selle Nous allons tracer la lettre M. C'est le point de départ. Du point, je monte, je tourne, je descends verticalement. Je monte, je tourne, je descends verticalement. Sur la même ligne, je monte, je tourne, je descends verticalement comme une canne. Voilà, on a terminé. Au revoir et bon travail, mes élèves.